catéchumène que tu as appelée au baptême, approche de son où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fait, pour qu'il soit ainsi recréé dans le Christ, pour qu'il retrouve en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert de Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là. Sur le rocher du mont Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Meriba, c'est-à-dire accusation. Parce que les fils d'Israël avait accusé le Seigneur, et parce qu'il l'avait mis au défi, en disant : Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ? Ou bien n'y est-il pas ? Parole du Seigneur.
d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, pourtant fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnons 20 ans sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve la pluie de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison.
réjouissaient. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur de nous. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avançons dans notre marche du carême et nous entrons aujourd'hui dans une série de 3 dimanches importants. Après la tentation de Jésus au désert, après la transfiguration de Jésus sur une haute montagne, comme vous l'avez entendu, nous sommes invités ce dimanche, 3e dimanche du carême, à méditer et à réfléchir sur la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Le moment central de cette rencontre, c'est la promesse de l'eau vive. Et nous savons que c'est pour nous l'eau du baptême, ce sacrement par lequel Jésus nous donne la vie, nous donne sa vie. C'est pourquoi, dans ces 3 dimanches dans lesquels nous entrons, nous sommes proposés des images baptismales, l'eau, la lumière et la vie. Et comme Israël, lors de l'Exode, nous aussi dans le baptême, nous avons reçu l'eau qui sauve. Jésus, comme il l'a dit à la Samaritaine, donne une eau vive, une eau qui étanche toutes les soifs. Et cette eau, c'est son esprit lui-même. Aussi, ces 3 dimanches qui commencent sont-ils très axés sur le baptême, et nous redécouvrirons toutes les richesses de ce sacrement en accompagnant les catéchumènes qui sont célébrés les scrutins. Et l'Église, ce 3e dimanche, dimanche de la Samaritaine, célèbre le premier scrutin. C'est ce que nous ferons tout à l'heure, après cette liturgie de la parole. Et le 4e dimanche, dimanche prochain, nous réfléchirons sur l'expérience de l'aveugle de naissance. Dans le baptême, se libérer des ténèbres du mal, et nous recevrons la lumière du Christ. Présence de Dieu sur le visage du Christ. Et ce sera pour les catéchumènes.
cette demande, qui en fait est un don et ne le comprend pas. Si tu savais le don de Dieu, semble le reprocher Jésus. En second lieu, Jésus lui fait la proposition de l'eau vive, c'est-à-dire ce don de la vie bienheureuse avec Dieu, cet amour de Dieu répandu en le cœur précisément. La liturgie de ce dimanche nous parle de vie divine, cette vie, mon Dieu, que le Christ est venu nous apporter. Elle est l'eau dont nous avons besoin dans le désert de son parfois nos vies. Elle est l'eau de Dieu que le Christ est venu apporter à la Samaritaine et dont saint Paul parle à sa façon. Le pape François commence ce désir de la vie divine qui est au fond de notre cœur. Il dit: l'homme de tous les temps et de tous les lieux désire une vie pleine et belle, juste et bonne, une vie qui ne soit pas menacée par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu'à atteindre sa plénitude. L'homme est comme un marcheur qui, à travers les déserts de la vie, a soif d'une vie jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur son désir intime de lumière. Samaritaine de donner une eau vive en se rapportant si pour toujours à tous ceux qui le reconnaissent comme le Fils envoyé par le Père pour nous sauver. Jésus est venu nous donner cette eau vive et l'Esprit Saint pour que notre soif, pour que notre vie soit guidée par Dieu, animée par Dieu, nourrie par Dieu. L'eau vive et l'Esprit Saint désaltèrent notre vie parce que nous sommes aimés de Dieu comme des fils et que nous pouvons aimer Dieu comme ses fils. Avec sa grâce, nous pouvons vivre en fils de Dieu comme Jésus. Et l'Esprit nous dit: Dieu t'aime vraiment. Et nous, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons les autres comme Jésus? Voilà ce que le pape demande. Cet amour ne trouve-t-il pas pour dans l'adoration, justement. L'adoration, ce sont ces moments d'intimité, d'abandon, de reconnaissance de la présence du Seigneur, et cela en esprit et vérité. Ces moments où Jésus nous donne d'être pleinement accordé à ce qu'il est, lui, la vérité, venu nous révéler le mystère de l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit. Ces moments, justement, ne peuvent être vécus que dans l'Esprit Saint. L'adoration, ce sont ces moments bénis. Notre âme est portée par sa grâce et où nous nous remettons au Seigneur, lui remettons entre ses mains tous nos soucis, tous nos efforts. En
aussi chez la Samaritaine, les catéchumènes qui, en prochaine fête de Pâques, rencontreront le Christ dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Bien que ce regard du Christ leur fasse reconnaître leurs péchés et les libère de toute méfiance, ils aspirent de tout leur cœur à la vie éternelle, cette vie éternelle qui est au de Dieu. Ils sachent adorer le Père et reconnaître le Christ comme leur guide, leur maître, leur enseignant. Ils aient le courage d'apporter cette bonne nouvelle du Christ à leurs amis et à tous ceux qui croisent dans leur chemin. Quelle espérance pour eux et quelle espérance pour nous tous de ce regard et ces paroles de Jésus à la Samaritaine. À chacun et à chacune d'entre nous, Jésus dit : moi, je vais te procurer une eau qui deviendra en toi source jaillissante pour la vie éternelle. Ils s'approchent maintenant des catéchumènes avec leurs parents, leurs marraines. Ils vont recevoir, comme je le disais tout à l'heure, la force de Dieu dont ils ont besoin pour le combat spirituel qu'ils ont à mener. Qui êtes appelés par Dieu, je vous invite maintenant à vous mettre à genoux devant lui et en silence, nous prions. Georges, Jennifer, Nadia, Marie, Françoise, Christophe, Joséphine, Éric, Germain, Isabelle, Marie-Jeanne, Marie-Madeleine, Rita, Christine, Aurore, Marie-Véronique, Almeida, Anastasia, Jamila, Béatrice, Brissette, Gladys, Marie-Linda, Élie, Marc-Sanda, Vanessa,
catéchumènes, comme la Samaritaine, qu'il se laisse attendre par le regard du Christ et puisse reconnaître leur péché. Les entraves de leur faiblesse et de leur péché, ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leur faute, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La force de Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, et vous imprègne comme cette huile de salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Aurore, que la force de Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, et vous imprègne comme cette huile de salut dont je vous marque dans le Christ. Seigneur, lui
créatrice précède, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, et vous apprenne, comme cette huile du salut dont je vous marque, dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je rends grâce à Dieu.
En ce temps du carême, maintenant, les annonces sont essentiellement surtout des chemins de croix, évidemment. Vivre, prier le chemin de la croix. Chaque vendredi, il y a la messe de 15 heures, bien sûr, qui, pendant le carême, est suivie de la méditation. Après la messe du chemin de la croix, puis il y a une conférence sur la prière à la salle Saint-Irénée, chaque vendredi de carême. Et le vendredi 4 avril, qui est le premier vendredi du mois, pour ceux qui travaillent dans la journée, il y aura aussi un chemin de croix à 21h. Pour les enfants, le mardi 8 avril et le mercredi 16 avril à 15h, un chemin de croix pour les enfants, donc le 8 et le 16 avril à 15h. Et enfin, bien sûr, le grand chemin de croix du Vendredi Saint, qui sera présidé comme chaque année par notre archevêque, le cardinal André 23, donc le Vendredi Saint, 18 avril, ce chemin de croix commencera à 12h30, tout à fait en bas des jardins, devant la basilique, tout à fait en bas. Sachez déjà que le samedi 26 avril, il y aura des temps de prière dans l'après-midi et le soir, du 26 avril à 21h, et puis le 27 avril, le dimanche, le matin, il y aura retransmission de la canonisation en direct sur grand écran dans la basilique, avant la messe solennelle, par des temps très forts pour toute l'Église, les 26 et 27 avril. Que la grâce de ta rédemption, Seigneur.